Salut tout le monde, c'est une vidéo rapide pour vous dire que le jeu est enfin en préinscription sur le store japonais et le store US. Donc, je ferai d'ici très peu de temps, d'ici ce soir ou d'ici demain, une vidéo tuto comment se préinscrire sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc, je vous montre juste un aperçu du jeu sur le Play Store. Donc, voilà ce que ça peut donner. C'est ici, donc voici quelques screenshots du jeu. Donc voilà, en soi, les graphismes sont pas mal. Il y a également un mode PVP, donc je pense que le jeu sera extrêmement basé sur du PVP. On voit pas de stamina, donc il y a le mode auto, il y a le mode on peut skip aussi, donc c'est pas mal. Donc ok. Donc dans l'ensemble, le jeu m'a l'air assez prometteur. On va voir dès sa sortie comment on va faire pour se préinscrire nous qui ne sommes pas dans ces pays-là. Parce que j'essaie avec un VPN, ça n'a pas marché. Que ce soit VPN japonais ou US, ça n'a pas marché. Donc on attend un peu de voir d'ici quelques jours comment ils vont faire pour adapter ce jeu dans tous les pays. Vu que c'est le premier jeu qui sera fait par la base de Enza. Donc Enza, qui est une boîte de développement de jeux vidéo japonaise et qui se focalise que sur les serveurs japonais. Donc là, ils ont toujours pas mis à jour leur site Enza, mais par contre ils ont mis à jour leur Twitter. Leur Twitter, je veux dire leur page Facebook. Excuse-moi, leur page officielle, leur website quoi. Donc on attend de voir une grosse news de leur part sur les réseaux. Instagram, Twitter, Facebook, etc., etc. Espérons que par la suite, nous ayons une version globale, pas seulement anglaise, mais vraiment globale, dans le sens où on pourrait se préinscrire sans utiliser de VPN, ou sans utiliser un système bizarre ou autre. Donc dans tous les cas, restez dans les préinscriptions via Facebook et Twitter et Line si vous avez Line, le temps qu'il libère les préinscriptions dans tous les pays, enfin dans tous les pays, dans le monde entier on va dire, en global. Sur ce, ciao, c'était Kakuteli pour vous servir, on se retrouve pour de nouvelles aventures, à très bientôt tout le monde.